gentil, enlève tes chaussures, maman a nettoyé toute l'entrée. Oui, maman. On va atterrir, l'avion est aligné. Caleb. Maman t'avait dit d'enlever tes chaussures, non? Oui. Maman a travaillé très dur dans la maison aujourd'hui. Tu crois vraiment que ça va lui faire plaisir? Oui, pardon, papa. Mais oui, fiston. On va nettoyer tout ça ensemble? C'est très fatigant comme travail, hein? Oui. Tu vois, si t'avais écouté ce qu'a dit maman, tu n'aurais pas eu besoin de faire tout ce travail. Mon fils, souviens-toi que si on te dit d'obéir, c'est parce qu'on t'aime beaucoup. On veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu te rappelles ce qu'on a vu au culte familial ensemble? Regarde, c'est ici en Éphésiens. Quel chapitre tu vois, là? 6. Oui, c'est très bien. Tiens, regarde comment tu peux faire plaisir à Jéhovah. Enfant, c'est toi, Caleb. Enfant, obéissez à vos parents pour que tout aille bien pour toi. C'est pour ça que tu dois toujours écouter maman et papa. Venez à table, c'est prêt. T'as faim? Allez, viens, on va manger. Ouais, pas. Amenez ça là. Ok. Bip, bip, bip. Ok, stop. Quoi? Bip, bip, bip. Et où tu vas comme ça? Désolé. Allez, lâchez toutes les billes. Qu'est-ce qui se passe? Caleb, on va faire le culte familial. Prends ton livre. Et puis ramasse toutes ces billes, s'il te plaît. C'est super dangereux. Toujours écouter maman et papa. Oh, oh, ah, oh, oh, ah, ah, ah. Maintenant, je suis fière que tu aies obéi. Allez, dépêche-toi, parce que Sophia et papa nous attendent. Sophia, qu'est-ce que tu vois sur cette image? Ah, bien. Bon, bah maintenant, tout le monde est là. On va faire la prière avant le culte familial. Par la carine. Oh non, c'est Sparlock. Caleb. Sparlock arrive. Qui nous envoie? Caleb. Envoie tes pouvoirs magiques, Sparlock. Hey, ça a été l'école? Oui, regarde Sparlock voler avec sa grande Caleb. Cape. Qu'est-ce que c'est ce jouet?
C'est Sparlock, le magicien guerrier. Waouh, un magicien guerrier. Oui, mon copain me l'a donné ce matin. Tout le monde va voir le film, je peux y aller aussi? Oh, c'est ton copain qui t'a fait un cadeau. Tu m'as l'air tout content avec ce jouet. Pourquoi tu ne viendrais pas prendre ton goûter, d'accord? Est-ce que c'est un jouet magique? Caleb, qui aime la magie? Jéhovah ou Satan? Satan. Oui, la magie c'est mal. Et donc Jéhovah déteste ça. Tu veux vraiment jouer avec un personnage que Jéhovah déteste? Tu te rappelles de qui on a parlé au culte familial cette semaine? Qui c'est là? Adam et Ève. Oui! Est-ce qu'ils ont obéi à Jéhovah? Non, ils ont désobéi à Jéhovah. Et il est devenu très triste. Donc, si toi tu désobéis à Jéhovah, et que tu préfères jouer avec des jouets qu'il déteste, tu crois que Jéhovah, ça va lui faire plaisir? Ou qu'il sera triste? Triste. Oui. Tu veux que Jéhovah soit triste? Non! Je veux pas que Jéhovah soit triste à cause de moi. Moi aussi, je veux que Jéhovah soit content de toi. Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire de ce jouet? C'est bien, Caleb. Je suis vraiment fière de toi. Papa et maman, tu sais, ils t'aiment. Tu sais aussi qui d'autre t'aime? Jéhovah! Oui! Jéhovah est content de toi parce que tu l'aimes et lui obéis, Caleb. Hey, tu sais ce qu'on peut faire tous les deux? Quoi? Un tour de vélo, ça te plairait? Ouais! On y va! Chaque fois, il est là près de moi, n'importe où quand je veux, je prie Dieu. Mesdames, messieurs, ne ratez pas les promos du jour au rayon boulangerie. Viens vite, Caleb, on passe à la caisse. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui, merci. Pas de bonbons aujourd'hui, Caleb. Voilà. Si tu voles, est-ce que tu seras l'ami de Jéhovah? Et tu veux être l'ami de Jéhovah? Et voilà, madame. Bonne fin de journée. On y va, bonhomme.
Sophia, tu es prête pour la prédication? Qu'est-ce que tu as dans ton sac? On dirait qu'il te manque quelque chose. Tu as besoin de quoi pour prêcher? Très bien! Tu as besoin de ta Bible pour prêcher. Et de quoi d'autre aussi? Les enfants, vous voulez bien aider Sophia? Qu'est-ce qu'elle doit prendre pour la prédication? Les périodiques! C'est bien, les enfants! Sophia, encore une petite chose. Tu vas faire comment pour te souvenir des gens qu'on va rencontrer? Bien! Et tu as un crayon? Excellent, Sophia! Je crois que là, tu as tout ce qu'il faut. Vous en pensez quoi, les enfants? Elle est prête? Oui! Eh bien maintenant, on peut répéter ce que tu vas dire. On dirait que Caleb a faim. Comment va-t-il s'y prendre pour demander à manger à sa maman? Non! Je veux manger! J'ai faim, vite! Oh, Caleb! Vous pensez que c'était la meilleure façon de demander? Non! Et si on donnait une deuxième chance à Caleb? Écoutez bien le petit mot qu'il va utiliser cette fois-ci. Maman, s'il te plaît, je peux avoir à manger? Oh, mais oui, mon chéri. Je vais te préparer un bon petit sandwich, d'accord? C'est beaucoup mieux comme ça. Quand on dit s'il te plaît, ça change tout. Même Jéhovah dit s'il te plaît. Et maintenant, Caleb, qu'est-ce que tu dois dire? Merci, maman. C'est bien. N'oublie jamais de dire s'il te plaît et merci. Et n'oublie pas non plus de dire merci à Jéhovah. Ça va, Caleb? C'est mon avion, je n'arrive pas à le trouver. Je comprends pourquoi. Je sais comment tu pourrais le retrouver. Ah ouais? Il faudrait que tu ranges toutes tes affaires. Tu sais que Jéhovah lui range toutes ses affaires? Hein? Regarde les planètes.
Elles tournent en permanence, mais Jéhovah les fait rester sur leur orbite pour qu'elles ne se cognent pas entre elles. Tiens, un autre exemple. Les humains sont tous différents à l'extérieur, mais à l'intérieur, Jéhovah a mis leurs os et leurs organes au même endroit. Imagine que tes yeux soient sous tes pieds. Jéhovah a même tout prévu pour que les animaux restent propres. Tu vois ces poissons ? Ils font le ménage chez l'hippopotame. Et ces oiseaux font la même chose. Moi aussi, j'aimerais bien que des animaux fassent le ménage dans ma chambre. Je me dis ça aussi quelquefois. C'est pour ça que Jéhovah t'a donné tes mains, pour tout ramasser. Si ta chambre est toujours propre, tu feras plaisir à Jéhovah. Et après avoir rangé ta chambre, tu trouveras peut-être ton avion. Ça y est, je l'ai retrouvé. Génial. Viens, on va jouer maintenant. D'abord, Jéhovah a créé Jésus, et après les anges. Mais le soleil et la lune n'existaient pas, les étoiles non plus, et la terre non plus. Wow, et c'était comment alors? Ça devait ressembler un peu à ça. Je vois plus rien, papa. Jéhovah a créé les étoiles, comme notre soleil. Et il a fait la terre, mais elle n'était pas comme aujourd'hui. Au début, il n'y avait qu'un immense océan, rien d'autre. Et puis... Jéhovah a fait apparaître la terre ferme. Ensuite, il a créé l'herbe. Et les arbres. Ne t'inquiète pas, fiston. Je m'en occupe. Et voilà. Merci, papa. Bah, les animaux? Ah, Jéhovah a d'abord créé les animaux qui vivent dans l'eau. Et les oiseaux? Hé, je vole! Et tu sais ce que Jéhovah a fait après? Oh! Il a fait tous les animaux qui vivent sur la terre. Hé, hey, un éléphant. Et enfin, il a créé les humains. Jéhovah a fait la terre et tout ce qu'il y a dessus. La terre est très belle. Et il l'a faite pour nous. Il veut qu'on profite de tout ce qu'il a créé, pour toujours. Oh. On fait une prière, on dit merci à Jéhovah. Caleb, Sophia, j'ai quelque chose pour vous. Qu'est-ce que wow, c'est? Un cadeau. Génial, une petite voiture. Des beaux pinceaux. Merci, maman. Merci, maman. C'est à moi. Rends-le-moi,
toi, c'est mon jouet. Mais Caleb, laisse-moi voir. C'est ma voiture, lâche-la. Ok, bon, on va voir ensemble comment apprendre à partager. Quand Jéhovah a créé le paradis, est-ce qu'il a gardé les animaux que pour lui? Non, il a partagé ses animaux, même les tout petits. Exactement, Jéhovah partage tout avec les humains. Donc vous, qu'est-ce que vous devez faire? Waouh! Bien joué! Ouais, tu veux essayer? Tu veux commencer, toi? T'es sûr? Oui. Prêt? Feu? Partez! Arrête, Caleb! Wow! Caleb, tu as cassé ma girafe! Je n'ai pas fait exprès, pardon. Tu dis tout le temps ça. Mais je t'ai dit pardon. Ça ne va pas la réparer. Mais qu'est-ce qui se passe? Caleb me l'a cassé, je lui avais dit de ne pas y toucher. Mais je me suis déjà excusée. Tu dis toujours la même chose. Allez, les enfants. Alors, Caleb a cassé ta girafe? Oui, et aussi, il a mangé ma glace. Il est entré dans ma chambre sans demander et il a dessiné dans mon cantique. Mais j'ai dit pardon. Et toi, Sophia? Essaie de te souvenir d'une bêtise que tu as faite. Ben, j'ai oublié de faire mes devoirs. Je n'ai pas fait mon lit et je n'ai pas fait la vaisselle. Eh oui. C'est difficile de penser aux bêtises qu'on a faites. Mais est-ce que tu regrettes? Tu sais ce que Jéhovah fait quand on regrette vraiment nos bêtises? Il nous le dit en Éphésiens 4, 32. Regarde, Dieu vous a pardonné volontiers. Sophia, si on pardonne volontiers, on fait quoi? Je te demande pardon, Sophia. C'est bon, Caleb. Je te pardonne. C'est bien, les enfants. Vous savez, Jéhovah est très content de vous. Qui a mis ce bazar ici? Oh oh! Connais-tu une raison d'espérer vivre éternellement dans un paradis sur la terre? Un jeune garçon qui mettait sa confiance en Dieu a joué un rôle important dans ce domaine. Il s'appelait David. C'était un berger qui vivait dans les temps bibliques. Il lui fallait être courageux pour protéger ses brebis. Il a dû s'attaquer à un ours.
alors qu'il n'était encore qu'un jeune garçon, il mettait toujours sa confiance en Dieu. Environ 1000 ans avant Christ, quand Saül était roi, la vie à la campagne était très simple. Mais Saül a désobéi à Jéhovah et a manqué de foi. Jéhovah ne pouvait plus lui faire confiance. Il a donc demandé à Samuel, son prophète, de choisir un roi meilleur. C'était une mission dangereuse. Pourquoi ? Parce que si Saül l'apprenait, il tuerait Samuel. Donc, Jéhovah a dit à Samuel de prendre une vache, comme s'il allait simplement offrir un sacrifice. Ainsi, Saül ne connaîtrait pas la raison véritable de sa démarche. Samuel arrive finalement chez Jessé à Bethléem. Or, Jessé a 8 fils. Quand Samuel voit l'aîné, Eliab, qui était grand et fort, il se dit « C'est sûrement lui que je dois choisir ». Mais Jéhovah avertit Samuel, « Ne te laisse pas tromper par les apparences. Je vois ce qu'est réellement l'homme à l'intérieur. » Samuel examine encore 6 autres fils de Jessé. Mais Jéhovah ne choisit ni Abinadab, ni Shammah, ni aucun autre d'entre eux. « Est-ce que ce sont là tous les garçons ? » demande Samuel. Jessé lui répond qu'il n'y a plus que David, le dernier, qui fait paître les moutons. « Fais-le venir, lui dit Samuel. » David a environ 12 ans. Jéhovah va-t-il vraiment choisir David ? Ses frères ne le pensent pas. Quand David arrive, Samuel a devant lui un magnifique garçon avec de beaux yeux, mais il n'est encore qu'un enfant. À la surprise de tous, Jéhovah dit à Samuel, « C'est ce garçon qui mettra sa confiance en moi. Oins-le pour qu'il soit le futur roi. » À partir de ce moment-là, l'esprit de Jéhovah est avec David. Pendant ce temps, au palais, les serviteurs du roi Saül, qui est très coléreux, s'efforcent de lui être agréables. Le mauvais roi Saül comprend que Dieu l'a rejeté. Et cela le met de très mauvaise humeur. Ses serviteurs ont très peur de lui. Que faire pour que Saül se sente mieux ? Il a besoin de quelque chose qui le calme. Un serviteur lui recommande de la musique apaisante jouée sur une harpe. On fait donc venir un harpiste habile. Et qui a-t-on choisi ? Nul autre que David. Saül en vient à beaucoup aimer David, parce que sa musique lui fait du bien. Par la suite, Saül va combattre les Philistins, ennemis d'Israël depuis longtemps, qui détestent Jéhovah Dieu. Les armées d'Israël campent dans la vallée d'Ela,
Elles sont rangées en ligne de bataille d'un côté d'une montagne, tandis qu'en face, les Philistins les attendent et les provoquent. Les Philistins envoient leur champion, un guerrier, défier Israël. C'est un géant effrayant, de près de 3 mètres. Son nom, Goliath. Pendant 40 jours, matin et soir, Goliath crie « Je provoque les lignes d'Israël. Donnez-moi un homme et battons-nous. » Saül et ses soldats sont effrayés. Personne ne veut affronter Goliath. David est venu apporter de la nourriture à ses frères qui sont sur le champ de bataille. Il est très surpris que personne ne veuille affronter ce géant qui insulte Dieu. Mais que peut faire le jeune David? Avec hardiesse, il se propose pour combattre Goliath. Saül, qui l'a appris, fait venir David vers lui. Mettant sa confiance en Dieu, David lui dit « Ne sois pas effrayé, j'irai me battre avec ce Philistin. » Saül s'exclame « Tu es trop jeune pour affronter ce guerrier. » « Dieu m'a protégé dans le passé, lui répond David. Il me délivrera de la main de ce Philistin. » Goliath doit mourir, car il a provoqué le Dieu vivant, Jéhovah. Mais quel genre d'arme David va-t-il utiliser? Son bâton de berger, 5 pierres bien lisses et sa fronde. C'est tout. Le géant n'en croit pas ses yeux. Qui est ce garçon qui vient l'affronter? Suis-je un chien pour que tu viennes vers moi avec un bâton? Viens donc, et je te donnerai en nourriture aux oiseaux et aux bêtes. David répond, tu viens vers moi avec une épée, avec une lance et avec un javelot. Moi, je viens vers toi avec le nom de Jéhovah. De panique, les Philistins s'enfuient. Le Dieu d'Israël triomphe par la main d'un jeune berger. Jonathan, le fils de Saül, a entendu parler de la bataille. Il est impressionné par la victoire de David sur Goliath. Loin d'être jaloux, il l'admire. Ils deviennent de grands amis et Jonathan promet à David de l'aider jusqu'au bout. Quelque temps après que David a vaincu Goliath, Saül le met à la tête de ses hommes de guerre. Avec le temps, David se révèle meilleur soldat que Saül. Quand les femmes se rassemblent pour voir Saül et David revenir d'une bataille, elles les saluent avec chant et danse, disant « Saül a abattu ses milliers et David ses dizaines de milliers. » Ces paroles irritent Saül. Il devient jaloux et furieux et il commence à détester David. Il n'a pas confiance en lui. Il complote sa mort.
Saül a une fille très jolie qui s'appelle Michal. Elle est amoureuse de David, mais Saül ne le sait pas. Les serviteurs de Saül comprennent qu'elle désire l'épouser. Quand Saül apprend que Michal aime David, il pense avoir enfin une chance de se débarrasser de lui. Par l'intermédiaire de ses serviteurs, Saül fait une offre à David. Il lui donnera Michal s'il tue une centaine de Philistins. Saül espère que ce sont plutôt les Philistins qui tueront David. Mais David relève le défi et avec quelques hommes, il tue non pas 100, mais 200 Philistins. Le stratagème de Saül échoue donc, il doit donner Michal à David. Il est évident que Jéhovah est avec David et cela fait peur à Saül. À partir de ce moment-là, Saül devient le pire ennemi de David. Cependant, Saül a toujours besoin de la musique apaisante de David. Mais plus pour longtemps, la haine de Saül devient manifeste. Cette nuit, demain, tu seras mort. David et sa petite troupe d'hommes se dirigent vers le désert pour se cacher. Saül et son armée poursuivent David. David est obligé de s'enfoncer de plus en plus dans le désert. Quel danger l'attendent ? Saül cherche David partout, mais il ne le trouve pas. Il est néanmoins déterminé à le tuer. Prenant de grands risques, Jonathan part à la recherche de David. Il espère l'encourager. Et il a bien du mal à le trouver. Sur Israël, et je serai le second après toi. Ils se promettent fidélité, mais c'est leur dernière rencontre. Saül finit par découvrir la cachette de David. Avec 3000 de ses meilleurs soldats, il encercle David.
Mais David apprend par ses espions où campe Saül. Une nuit, avec son neveu Abishai, un homme hardi, David s'approche de Saül en rampant. Tous les gardes se sont endormis. David trouve Saül en train de dormir profondément au milieu du camp. Abishai, qui veut absolument tuer Saül, murmure à David : « Permets-moi, s'il te plaît, de le clouer à terre avec la lance. Une seule fois suffira. » « Non, jamais je ne penserai à faire du mal au roi oint de Jéhovah, lui répond David. Prenons plutôt sa lance et sa cruche à eau et allons-nous-en. » Du sommet de la montagne voisine, David interpelle alors le chef de la garde personnelle de Saül. « Pourquoi n'as-tu pas veillé sur ton seigneur le roi? Quelqu'un aurait pu le tuer. Vois, j'ai la lance et la cruche à eau du roi. » Puis il dit à Saül, « J'aurais pu te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Pour ce qui est de me protéger de tous mes ennemis, je mets ma confiance en Jéhovah. » Saül répond : « Tu seras béni, David. Tu l'emporteras à coup sûr. » David s'en va alors, et Saül retourne chez lui. Les Israélites poursuivent la guerre contre les Philistins, mais cette fois, les choses tournent mal. Sur le mont Gilboa, les Philistins encerclent Saül. Il tue 3 de ses fils. Parmi eux, il y a Jonathan, l'ami le plus sûr de David. Puis les archers repèrent Saül. Il tombe grièvement blessé. Plutôt que d'être mis à mort par ses ennemis, il se jette sur son épée et se tue. David, qui s'est montré fidèle au roi choisi par Dieu, est si peiné qu'il déchire ses vêtements. Et ses soldats et lui pleurent, se lamentent et jeûnent. David compose également un chant funèbre. Je suis profondément affligé. Saül et Jonathan sont morts l'un et l'autre. Mon frère Jonathan, tu étais mon ami le plus proche, le plus sûr. Quelques années plus tard, la promesse de Dieu se réalise quand David, qui a mis sa confiance en Jéhovah, et couronné roi sur tout Israël. Plus tard, David construit son palais à Jérusalem, que l'on appelle désormais la cité de David. Il aime tant le culte de Jéhovah qu'il fait transporter l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. L'Arche est un coffre sacré recouvert d'or qui est utilisé dans le culte de Jéhovah. On l'avait laissé à l'extérieur de la ville. Finalement, après avoir consulté attentivement les instructions de Jéhovah, les prêtres lévites transportent l'arche couverte sur leurs épaules à l'aide de bâtons. Avec de la musique et dans la joie, ils transportent l'arche dans une tente dressée à Jérusalem. C'est un grand jour, un jour heureux pour David et pour tout Israël. David bondit de joie. Le
le culte de Jéhovah est mis à la première place. David est heureux et en sécurité dans son palais royal, mais il pense à l'arche du vrai Dieu qui se trouve dans une simple tente. David désire construire un temple magnifique pour Jéhovah. Mais Jéhovah va-t-il le lui permettre? Il envoie le prophète Nathan informer David de sa décision. À David, surpris, Nathan explique que, comme il est un homme de guerre, il ne bâtira pas le temple. Cet honneur sera accordé à un fils qu'il aura plus tard. Évidemment, David est déçu. Jéhovah fait une nouvelle promesse à David. La royauté ne sera pas enlevée à sa famille. Finalement, un de ses descendants régnera à jamais sur toute la terre. Ce sera le meilleur roi que le monde aura jamais connu. Mais un peu plus tard, David entre dans la période peut-être la plus pénible de sa vie. C'est un bon roi, mais il commet aussi des fautes graves. Un jour, il regarde Bathsheba, la femme d'un autre homme, en train de se baigner. Il la désire, la fait venir et couche avec elle. Puis il s'arrange pour que son mari soit tué au combat. Jéhovah envoie Nathan dire à David combien son péché est grave. Toutefois, en raison de la promesse de Dieu relative au royaume, David ne mourra pas, mais Jéhovah le punira sévèrement. David montre qu'il regrette amèrement ce qu'il a fait. Avec larmes, il écrit dans le psaume 51 « Témoigne de la faveur à mon égard. » Ô Dieu, selon ta bonté de cœur, contre toi j'ai péché, et ce qui est mauvais à tes yeux, je l'ai fait. Jéhovah pardonne à David ses péchés graves. Dans l'ensemble, David se montre un roi bon et fidèle. Son règne apporte la paix et la prospérité au pays d'Israël. Vers la fin de sa vie, David rappelle à son fils Salomon, qui doit lui succéder, les leçons précieuses qu'il a apprises au cours de son existence. Mets ta confiance en Jéhovah, même quand les difficultés te paraissent insurmontables. Sois fort et mets ta confiance en Jéhovah, même s'il te faut attendre la réalisation de ses promesses. Marche dans les voies de Dieu et reconnais tes fautes. Ne cesse jamais de servir le vrai Dieu et de mettre ta confiance en lui. Souviens-toi que le royaume éternel promis par Jéhovah viendra par notre lignée familiale. La promesse de Dieu relative au royaume a commencé à se réaliser quand Salomon a succédé à David. Cette promesse a abouti, beaucoup plus tard, à l'onction de Jésus comme roi. Jésus, qui règne maintenant dans les cieux, est le roi légitime de toute la terre. Il régnera sur un paradis qui s'étendra sur la terre entière.
Sous le règne de Christ, David et Jonathan seront ressuscités. Ils se retrouveront. Si tu désires être béni comme David, continue de servir Jéhovah fidèlement. Tu obtiendras alors la vie éternelle aux côtés de David et de Jonathan dans le monde nouveau promis par Dieu. Toi aussi, tu seras récompensé parce que tu auras mis ta confiance en Dieu. Est-ce que tu sais pourquoi nous sommes tous vivants aujourd'hui? C'est grâce à un homme fidèle qui, il y a longtemps, marchait avec Dieu. Il s'appelait Noé. En Genèse chapitre 6, la Bible nous dit qu'il y a très longtemps, à peu près 600 ans après la mort d'Adam, le premier homme, des anges ont regardé du haut du ciel et ont remarqué les femmes. Ils ont vu qu'elles étaient belles et ils ont commencé à avoir de mauvaises pensées. Ils ont quitté le ciel et sont devenus comme les hommes pour pouvoir se marier avec les femmes. C'était contre nature et très mal. Alors ces femmes ont eu des bébés qui sont devenus des géants, des brutes, appelés Néphilim. Ces brutes attaquaient les gens. Beaucoup d'hommes ont suivi leur mauvais exemple. Même les enfants sont sans doute devenus des brutes. Dans ce monde de violence, les gens faisaient semblant de ne pas voir la souffrance autour d'eux. Ils menaient une vie tranquille, ils se mariaient, ils mangeaient et buvaient. Ils achetaient, vendaient et ne s'occupaient pas de Dieu. La violence était partout. Les innocents étaient attaqués. Mais qu'est-ce que Jéhovah Dieu pensait de toute cette méchanceté? Il voyait que la méchanceté des hommes était partout. Et qu'il ne pensait qu'à des choses mauvaises.
La méchanceté des hommes lui faisait de la peine. Qu'est-ce que Dieu a décidé de faire? Il a dit : Je vais effacer les humains de la surface de la terre. Cela voulait-il dire qu'il ne resterait plus personne sur la terre ? Non. La Bible dit que pendant cette époque de violence, il y avait au moins un homme qui obéissait à Dieu. C'était Noé. Cet homme qui craignait Dieu a eu 3 fils. Le premier-né était sans doute Japheth. Le deuxième s'appelait Sem. Et le plus jeune, Cam. Ses fils obéissants et leurs femmes fidèles allaient beaucoup aider Noé dans un travail spécial que Dieu allait bientôt lui confier. Mais pourquoi Jéhovah aimait-il Noé? Qu'est-ce qu'il avait de spécial? Noé était un homme fidèle qui marchait avec Dieu et qui le servait jour après jour. Il était différent des autres. Il obéissait à Dieu. Comment Jéhovah allait-il détruire ce monde méchant? Dieu dit : Je vais faire venir un grand déluge pour purifier la terre. L'eau sera si profonde que tout sera complètement noyé. Mais qu'allait-il arriver aux oiseaux et aux animaux? Et qu'allait devenir le fidèle Noé et sa famille? Eh bien, Jéhovah a expliqué en détail à Noé comment construire une arche pour être sauvé. À quoi ressemblerait-elle? À un énorme coffre rectangulaire, long et étroit, avec un fond plat. Ils ont dû dégager une grande surface de terrain pour dessiner les plans de cette arche immense. Peux-tu imaginer sa grandeur? Elle mesurait plus de 120 mètres de long, plus qu'un terrain de football. Elle faisait environ 20 mètres de large et était haute comme une maison de 3 étages. Noé l'a sans doute construite près d'une forêt pour trouver facilement du bois. Mais comment Noé et sa famille, 8 personnes en tout, allaient-ils faire pour construire un bateau aussi énorme? C'était quelque chose qu'ils n'avaient encore jamais fait. Ils ont été capables de construire l'arche avec l'aide de Dieu.
En plus de ce travail, ils avaient autre chose d'important à faire. Il fallait avertir les voisins. D'après toi, comment les gens ont-ils réagi à ce qu'ils prêchaient? Ils ont dû dire « Vous êtes complètement fous !» Pourquoi construisez-vous ce gros coffre? Vous perdez votre temps. Le monde n'est pas prêt d'être détruit. Ils n'ont pas voulu écouter l'avertissement de Noé. Ils ont continué à vivre comme auparavant. Mais Noé écoutait Dieu au lieu d'écouter les gens. Il a fallu du temps à Noé et à sa famille pour construire l'arche. Obéissants, ils ont travaillé dur pendant plus de 40 ans. Un jour, enfin, l'arche a été terminée. L'eau ne pouvait pas entrer à l'intérieur. Pour avoir de l'air et de la lumière, il y avait des fenêtres tout autour. Il y avait aussi une grande porte sur le côté. Pour pouvoir rester longtemps dans l'arche, Noé et sa famille ont préparé des fruits, du grain et d'autres aliments. Ils ont dû aussi penser à emporter de l'eau pour eux et pour les animaux. Mais ce n'était pas fini. Il restait encore quelque chose à faire, quelque chose d'urgent. Genèse chapitre 7 nous dit que Noé et sa famille ont commencé à faire entrer les différentes sortes d'animaux dans l'arche. Il fallait faire vite. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit « Encore 7 jours et je fais pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. » Toute la terre sera inondée et j'effacerai tout ce qui respire. De chaque espèce animale pure, fais entrer 7 animaux dans l'arche. Et des autres espèces, 2 de chaque. Jéhovah a dû aider Noé à diriger les nombreux animaux qui devaient entrer dans l'arche. Aucun animal n'a été oublié, ni les bêtes les plus petites, ni celles qui rampent, ni les moins rapides. Est-ce que Noé a pris tout son temps? Est-ce qu'il s'est dit « Oh, ça peut bien attendre demain » Non. Il a fait selon tout ce que Jéhovah lui avait ordonné. Ce n'était pas facile, mais encore une fois, sa famille et lui ont montré qu'ils craignaient Dieu et qu'ils obéissaient. Ils ont fait exactement ce que Dieu leur demandait.
Quand tous les animaux ont été en sécurité à l'intérieur, Jéhovah a fermé la porte. Maintenant, il fallait que Noé et sa famille attendent. Est-ce que le déluge allait venir? Sinon, ils auraient l'air ridicules, comme ça, dans l'arche. Mais soudain, Dieu l'avait dit. Les cieux se déchirèrent brusquement. Il pleuvait, sans arrêt. C'était un vrai déluge. Il dura 40 jours et 40 nuits. Jéhovah avait tenu parole. L'eau montait de plus en plus. Imagine ce qu'ont ressenti les passagers quand l'arche s'est mise à flotter et à bouger. Les animaux étaient épouvantés. Petit à petit, l'arche a commencé à monter avec l'eau. Même les montagnes les plus hautes ont fini par être recouvertes par l'eau. La terre a été sous l'eau pendant 150 jours. Qu'étaient devenus tous les hommes méchants et violents qui s'étaient moqués de l'avertissement de Noé? Ils étaient morts, noyés. Pendant tout le temps où l'arche a flotté, Noé et les siens ont été très occupés. Ils ont pris soin d'eux-mêmes et des animaux. Seuls les animaux dans l'arche et Noé et sa famille ont été sauvés. 8 personnes ont survécu parce qu'elles ont écouté Jéhovah et parce qu'elles ont fait exactement ce qu'il leur avait ordonné. Ensuite, Dieu a fait passer un vent sur la terre pour qu'elle sèche. Les eaux ont commencé à descendre et à former des océans, des mers, des lacs et des rivières. Imagine ce que Noé et sa famille ont ressenti quand, tout à coup, l'arche s'est immobilisée sur les montagnes d'Ararat. Que s'est-il passé ensuite? Genèse chapitre 8 dit que Noé a envoyé un corbeau pour voir s'il y avait de la terre sèche dans les environs. Mais il allait et revenait. Il n'avait pas d'endroit où se poser.
Plus tard, Noé a lâché une colombe. Mais elle avait beau chercher loin, elle ne trouvait pas d'arbre. Comme le corbeau, elle est revenue. 7 jours plus tard, Noé a lâché encore une fois la colombe. Et elle est revenue avec dans son bec une feuille d'olivier qu'elle venait de cueillir. Alors, Noé a su qu'il y avait de nouveau des arbres et que la terre séchait peu à peu. Noé a attendu alors que Jéhovah lui donne cet ordre. Sors de l'arche, toi et toute ta famille, et tous les oiseaux, et tous les animaux. Si c'était toi qui avais survécu au déluge, tu aurais eu très envie de remercier Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce que Noé et sa famille ont eu envie de faire. Ils étaient si reconnaissants qu'ils ont construit un autel de pierre à Jéhovah. Et ils lui ont offert des sacrifices pour le remercier. Jéhovah était très content de voir Noé l'adorer et le remercier de cette façon. Noé et sa famille étaient très très heureux parce que Jéhovah les avait sauvés. Jéhovah les a bénis et leur a dit d'avoir des enfants et d'habiter sur toute la terre. Avec le temps, les fils de Noé et leurs femmes ont eu des enfants. Les animaux aussi ont eu des petits. C'est ainsi que les hommes et les animaux ont commencé à se répandre sur toute la terre. Jéhovah a fait une promesse solennelle à Noé et aux autres humains. Je ne ferai jamais plus venir un déluge sur la terre pour la ravager. Et pour les aider à s'en souvenir, il leur a montré quelque chose de magnifique dans le ciel. Mon arc-en-ciel, je le mets dans le nuage. Et il doit servir de signe de l'alliance entre moi et la terre. Toi aussi, tu peux ressembler à Noé, en suivant son bon exemple. Il avait une famille spirituellement forte. Tous ensemble, ils ont construit l'arche et se sont bien occupés des animaux. Ils ont aussi prêché à un monde qui ne voulait pas croire. Oui, Noé était un prédicateur de justice. Noé marchait avec Dieu. Et nous aussi, nous devons marcher avec Dieu. Mais comment? Nous devons prêcher la bonne nouvelle et expliquer que Dieu a promis de débarrasser le monde de tous les méchants. Il rétablira le paradis sur la terre pour tous les humains qui le servent et suivent son Fils Jésus. Alors, Noé et sa famille reviendront à la vie, sur la terre. Est-ce que vous serez là, toi et ta famille? Serez-vous dans le paradis pour leur parler? Bien sûr que oui, si vous marchez avec Dieu.